En tout cas, bienvenue pour Prey. Ça c'est le DLC, je l'ai pas encore. D'abord on fait le jeu, hein, d'abord on fait le jeu principal pour voir si ça me plaît. Je pense que ça va me plaire, de toute façon j'avais déjà regardé pas mal de choses quand il était sorti, mais je devais être occupé sur autre chose en fait, apparemment. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire, je pense qu'on va lancer le jeu avec la difficulté la plus difficile si on peut. Vous me direz dans le chat si le son est bon, normalement ça devrait être bon. En tout cas salut YouTube aussi parce que ça va être remis sur ma chaîne. Donc voilà, première fois sur Prey, c'est parti. Alors, on a normal, difficile, cauchemar, histoire. Alors ça je crois que c'était nouveau. Revitalos 1, votre survie est quasiment assurée. Salut Toxic, bienvenue. Ces modifications optionnelles permettent de rendre le jeu plus difficile. Attention, vous ne pouvez plus changer ces options après avoir quitté les écrans. Ces options ne sont pas recommandées pour les nouveaux joueurs. J'ai bien envie de tester cauchemar et survie. Alors, détérioration des armes. Les armes se détériorent suite à leur utilisation ou au danger de l'environnement. On peut les réparer. Elles s'enrayeront. Ok, il faut les réparer. Traumatisme ajoute un nouveau traumatisme au jeu, tel que les fractures, un traumatisme crânien, les hémorragies et les brûlures au troisième degré. Ah, putain. Oxygène, les dégâts de la combinaison déclenchent une fuite d'air, limitant votre réserve d'oxygène dans les environnements dénués d'atmosphère, tels que les extérieurs de la station. Waouh! Moi je dis pourquoi pas! Cauchemar survie, quoi, je dis pourquoi pas! On va rire. On va rire. C'est parti. Homme ou femme, on va prendre le mec. Ils sont jolis les personnages. Monsieur ou Madame You? On va prendre le mec. Eh ben apparemment ça va promettre, hein. On va en chier, mais ça va être drôle, au moins ça va nous durer un petit moment. On a la survie, je pense pas du tout que la survie était comme ça. Je me suis dit, eh, on va manger et boire peut-être. Non, non, ça n'a rien à voir, c'est cool. Et on se met en cauchemar. Vous vous réveillez dans votre appartement en 2032. Ok. Ça fait un peu loin. Alors je sais qu'il y a des mimiques, des bestioles, mais c'est à peu près tout ce que je sais en fait. Et on peut avoir des pouvoirs, je crois. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh! Oups. Bonjour Morgan, nous sommes le lundi 15 mars 2032. Vous me dites si le son est bon hein, sur le chat. Peut-être le monter un peu, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonus de précommande. Ouais, mets-moi, affiche-moi les trucs avec la souris parce que. Hey Morgan, réveille-toi. La journée est déjà bien avancée. L'hélicoptère va venir te chercher. C'est juste pour quelques tests. N'oublie pas de mettre ta combinaison. À bientôt. Ah, au fait, ça fait plaisir que tu aies décidé de nous rejoindre. On va secouer tout ça, Morgan. Comme au bon vieux temps. On va secouer tout ça comme au bon vieux temps. Première journée, nouvel objectif. Oh, pour. Oh, ok. Enfilez votre uniforme de Transtar. Ok, inventaire. Cool. Okay, cool. Sympa. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Portée, force physique 3. Ouh, déjà ça me rappelle un peu. Les Deus Ex, les anciens Deus Ex.
Estimation de Fermi, extrait du livre de l'existence d'intelligence extraterrestre de Robert James III. Ok, voilà. On va pas tout lire non plus. Bon, on peut jeter les choses. Yeah. Ah, c'est résistant. Il est fait en quoi le livre? Le vase. Ok, cool. Ok, excusez-moi. Ok. Ah, c'est moi. Très très bizarre là. Ah, excusez-moi. Oh là, oh là, oula. Ouais, ok. Je vais mettre mon uniforme. Le son est impec. Pas trop bas, ça marche alors? De toute façon, on verra quand ça commencera à tirer. Quand ça commencera à être le bordel. J'ai fouillé. Putain, par contre, les touches, je vais devoir les remapper parce que c'est un peu chelou. Ah, on peut... Oh, ok, on peut liner sur les côtés. Ok, ça marche, cool. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu où c'est qu'on pouvait faire ça. Attention, neuromode instruction. Avertissement, neuromode doit être... administré uniquement par des techniciens certifiés de Transtar sur les conditions pour les sujets. Alors retirez le neuromode de son conteneur scellé sous vide, appuyez fermement sur le coup oculaire, gardez l'œil ouvert, abaissez le levier de décharge orange et continuez à maintenir un neurone contre l'œil pendant 5 minutes. Jetez le neurone. Qu'est-ce que c'est? Ça enfonce un truc dans l'œil? Qu'est-ce que c'est que ça? Wouh! Grimper, mais j'ai appuyé pour ramasser plusieurs objets. Ah, ok, cool. Ok, sympa. Excusez-moi. Oups. Excusez-moi. Ah, des cigares. Excusez-moi. Enfin, je crois que c'était des cigares. Une bouteille. Ah. Désolé. Trois emails. T pour en savoir plus. Poste de travail. De nombreux employés de Transtar possèdent leur propre poste de travail. Les postes verrouillés nécessitent un mot de passe. Trouvez les indices dans votre environnement ou ayez recours au piratage. Ok, ça marche. Ok. Je peux pas. Ah, faut faire F à chaque fois. Ouh la vache, ok, c'est un peu bizarre. Salut Morgan, quel plaisir de savoir que vous êtes arrivé bientôt à bord. Vous commencez officiellement le lundi 15 mars. Bon voyage, à très bientôt. Livraison, je t'ai envoyé un colis contenant toutes les premières journées uniforme. Ok, uniforme, transcribe et un neuromode. Installé tout de suite. J'ai pas récupéré ça, non, si. Circuit imprimé, fil dénudé, tuyau. Ouais, bon, on verra ça. J'ai pas le truc. Salut, je viens d'avoir papa et maman au téléphone. Ils seront pas là pour le départ de la navette. Ils sont à New York. Oh, c'est pas mal ça. Elle te conseille de bien te tenir et d'obéir à ton grand frère. Non, je rigole. C'est le contraire. Je suis censé bien te tenir. Oh mon dieu, ok. Merci Alex, cool. On y va, c'est parti. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à casser? Félicitations Morgan, merci. Boire? Ouais. Ouais. Wouh! On est bourré. Ah, c'est cool. Ah, mais ça, c'est pour la première journée, c'est parfait ça. Ouais, non, ça, c'est parfait. La première journée de boulot, on boit quoi. Ok. Youhou! Extrait du chapitre 1 pour la cuisine. Walk and roll. Ah, c'est pas mal, là, walk and roll. Excusez-moi. Ah, mais faut pas mettre ça dans un jeu, hein. Mais moi, c'est parti, hein. On fout le bordel, hein. Bon, on rentre, on y va, enfin, on part.
Lumière. Ok. Ok, ça marche. Grimper. Ah. Mais le mec, c'est un malade. Il grimpe sur ses armoires chez lui. On est un fou, hein, c'est bien. Salut, Gull, ça va? Ah merde. Ah merde. Je voulais faire un truc stylé, mais en fait, non. Porter, on peut porter la poubelle. Ok. Bon, on va partir parce que sinon, non. Sinon, on va foutre le bordel, on va pas s'arrêter. Bonjour, monsieur Yu. Bonjour. Ça va? Il paraît qu'il y a un hélico sur le toit. Ça doit être pour vous. Ouais, il y a un hélico sur le toit. Par contre, ça gueule dans mes oreilles. Ça gueule dans mes oreilles. Voilà. Parce que je suis une personne très très importante. On est au plus haut de... Ouais, au plus haut niveau de difficulté, ouais. On est en cauchemar survie. Ah. Y a personne dans l'hélicoptère. Monsieur Yu, je vous en prie, installez-vous. Nous allons décoller. Le complexe de Transtar est tout près d'ici. Bethesda Software présente. C'est pas mal. La température est de 25 degrés. Le ciel est dégagé jusqu'à notre destination. La baie est magnifique, vue d'ici. Je vais regarder ça après le... après la cinématique. Désolé. Nous sommes arrivés, monsieur Yu. Faites attention à la vitre en sortant. Bonne chance. C'est bien, Stélico. Pas mal. Transtar. Ok. Et je peux faire ça. C'est mon petit. Hola. Qu'est-ce que t'as ? Ah, il a des réacteurs et tout le truc. Putain, c'est classe. Transtar Corp. Grimper. Non, pas grimper. Let's go. Tchou. On va se faire mais défoncer. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, Docteur Yu. Attends, mais j'arrive pas à comprendre ta forme. Hein. C'est une mallette volante. Ok, ça marche. Je suis un opérateur scientifique Sibyl 495. Tout le monde a hâte de voir ce dont vous êtes capable, Docteur Yu. En tout cas, moi j'ai hâte. Nos recherches nécessitent souvent de longues et intenses heures de concentration. Après le test, je pourrais vous proposer un stimulant psychoactif, si nécessaire.
Transtar possède plus d'une douzaine de centres à la pointe de la technologie partout dans le monde. Bah, et j'ai... même plus si on prend en compte l'intégralité du système Terre-Lune. J'ai pas trop l'habitude qu'une mallette volante robotique flirte avec moi. C'est un peu bizarre quand même. C'est un peu étrange. Y a rien à jeter. Morgan Yu, vous avez rendez-vous à 9h au centre de test. Veuillez confirmer. Oui, confirme. C'était bizarre. C'était un peu étrange. Ah, il y a beaucoup d'étages quand même. Morgan, enfin. Y'a pas des protocoles comme quoi il faut manger un peu moins de cheeseburger. Ça va, Alex? Hey. Ouh, l'uniforme de Transtar te va plutôt bien. T'es un peu trop près. Et ton œil? Toujours rouge? Je sais que les tests peuvent paraître peu conventionnels, mais c'est une tradition chez les Yu. Briser les conventions, c'est dans notre sang. Dès que les tests commencent, fais ce qui te vient naturellement. Ne t'en fais pas. Le docteur Bellamy va te guider pendant l'opération. Tu es entre de bonnes mains. Je préfère quand même sa combi à lui. C'est promis. C'est promis. Monsieur Yu, votre frère est attendu dans la salle A. Merci. Ah, okay. Écoute, sois toi-même. On se voit après. Donc c'est lui qui m'envoyait des emails. Hein. Alex, je pensais que c'était un enfant en fait. Je pensais que c'était un gosse, mais en fait non, pas du tout. Bon, on y va. Testing rooms, ok. Yes, bouton. Bonjour. Bonjour Morgan. Je suis le docteur Bellamy. Apparemment, nous avons quelques tests à faire aujourd'hui. Ils vous paraîtront sans doute quelque peu inhabituels, mais croyez-moi, vous allez vous en sortir à merveille. Tout va bien ? Formidable. Commençons. Pour ce premier test, je vais vous demander d'enlever ces boîtes du cercle rouge aussi vite que possible. Allez-y à l'instinct. D'accord ? Merveilleux. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Tu veux que j'y aille ? Jeter avec F, lancer avec la souris. Comme ça ? Wow. Merveilleux. Waouh, je suis un singe ! Tout va pour le mieux. Passons à la salle B. Je suis un singe, yes. Très bien, Morgan. Écoutez attentivement. Cachez-vous du mieux que vous pouvez dans cette pièce. Prenez votre temps. Détendez-vous. Réfléchissez. Non, je plaisante. Vous n'avez que 9 secondes. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Caché ? Morgan. Une activité synaptique à signaler ? Aucune ? Non ? C'est quoi ce truc ? Non, ce n'est rien. On me prend pour un con, c'est ça ? Désolé, passons à la suite, Morgan. Caméra cachée ? C'est. Vous vous en sortez très bien. D'accord. J'ai l'impression qu'on me prend pour un con, hein. J'aime pas trop ça. Bon, nous y voilà. C'est un peu bizarre. Test, appuyez sur le bouton bleu de l'autre côté de la pièce aussi vite que possible. Et le plus naturellement et instinctivement possible. Faites-le sans réfléchir. Allez-y. Allez, appuyez sur le bouton rouge. Excusez-moi, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Simmons ? Moi, j'ai installé ce que Tina a ramené. Vous avez bien vérifié. Le haut-parleur est activé. Là. Je suis désolé, Morgan. Nous avons quelques problèmes avec le matériel. Rien à voir avec vous. Vous vous en sortez à merveille. Tu mens mal. Test. Passons à la salle D. Tu mens super mal. Oh la vache, on va crever. Je peux pas m'asseoir ? Examiner. Quelqu'un peut m'apporter du café ? Ce serait bien aimable. Merci. Très bien, Morgan. Asseyez-vous à cette table, je vous prie. Excellent travail.
Regardez l'écran en face de vous. Oui. Je vais vous montrer une série de questions. Oui. Choisissez la réponse qui vous paraît la plus sensée. Ah, je vais kiffer. Appuyez ça. Sur l'écran pour commencer. Comment... F. Vous préparez vos vacances. Allez-vous dans un endroit familier que vous adorez ou essayez-vous une nouvelle destination? Arrête de me stresser. C'est quoi ce bruit? Okay. Nouvelle destination. J'aime bien. Bien, on dirait que vous avez pris le coup de main. Continuez. Ouais, je sais comment un écran tactile fonctionne, ça tue. Vous êtes condamné à mort pour vos crimes. Que ressentez-vous? Si on part du principe que j'ai fait des crimes volontaires, que j'ai tué tout le monde, bah ça va, hein, ça en valait le coup, je pense. Oh, c'est du lourd. Bah ouais. Un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail. Vous ne pouvez changer l'aiguillage du train, mais une personne est ligotée sur la voie du secours. Ah, c'est celui-là, c'est le coup du... Est-ce qu'on en tue un pour en sauver plusieurs? Bah moi je dis que celle qui est sur l'autre rail est plus intelligente que les autres, donc je change pas. Vous vous en fichez, pas vrai? Ouais, un peu, ouais. Un train hors de contrôle se dirige vers... Ah non, c'est pas la même. Vers 5 personnes ligotées au rail. Vous êtes sur le quai à côté d'un homme incroyablement obèse. Le pousser sur le rail en... Arrêterai le train. Poussez le gros, allez vas-y. C'est presque fini. Oh mon dieu. C'est pas mon frère des fois, c'est pas Alex. Un train hors de contrôle sur 5 personnes ligotées au rail, sauter sur la voie, arrêterai le train, mais mettrai fin à vos jours. Pour repousser le gros. Vous savez quoi? Je ferai sûrement la même chose. Ah ben voilà, tu vois. Bien, bien. C'est très bien. Nous en avons presque terminé. Mais c'est à quoi présent, ces questions? Je vais afficher une image. Je veux que vous la regardiez attentivement. Dans un instant, je vais vous demander ce que... c'est ma tasse? Elle est vide. Ah! Sécurité! Sécurité! Oh, waouh, waouh, waouh! Ok. Je voulais voir ce que ça faisait, cette bestiole. Elle s'est transformée en tasse de café. Sympa! Le café tue? Le café tue? Alex. Simmons. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Et concernant Morgan? Il est en vie, sous sédatif. Occupez-vous de ça, j'arrive tout de suite. Entendu. Ok. Eh ben. Bonjour Morgan. Nous sommes le lundi 15 mars 2032. J'ai entendu ça. Déjà vu. T'as loupé le début du jeu, donc tu recommences? Mais non. Mais non. Ouais, on va boire encore. Pas café. Ah ok. On est bien là en fait. On est bien. On est bien chez moi. Par contre les tasses de café, plus jamais. Hein. C'est peut-être une bestiole qui se cache. Ah, il y a des objets à récupérer, merde. Ok. Ok, non, oui, yes, ouais. Non. Mot de passe. Pas. F paradox X. Point d'interrogation. C'est un mot de passe sympa, ça. Est-ce qu'il y a des emails? Waouh, ok, 6. Ok. Danger, partez tout de suite. Oh,
cool. D'accord, quelqu'un sympa. Ça c'est l'inventaire rapide, je pense. Bon, et si on partait, du coup. Mais le... Ouais, mais le gros, c'était moi ou le gros. C'était moi ou le gros, donc bon, le gros, quoi. Ouh. Bonjour, Morgan. Il est temps d'avoir une discussion. Mon nom de code est January. Vous ne rêvez pas. Ce qui est arrivé hier est la réalité. Si vous souhaitez savoir ce qui se passe, vous devez d'abord quitter votre appartement. Vous n'y êtes pas en sécurité. Elle était où la lampe? Merde, je l'ai balancée où? Hein? Pardon. Ok, toi aussi tu t'es fait bouffer par un mimique. On va appeler ça les mimiques. Verrouillé, ok. Voilà alors. Verrouillé, ok. Où je vais? Où je vais? Mais attends, il y avait... C'est par là que j'étais parti, non, la première fois. Putain, je comprends plus rien, ça y est. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, la fenêtre. Oh. Oh. Ah, c'est stylé. Bonjour. Je suis là. Saloperie. Appel entrant. Bien. Vous êtes dans le laboratoire de simulation. Dirigez-vous vers la sortie. Je reste en contact. Ok, ça marche. Ok, donc on est vraiment un chimpanzé en fait. Ok, sans de vie, sans de bouclier, ça marche, cool. C'est quoi ça? Le safe code des... Bah ok. Signez toute l'UGS comme défectueuse. Demandez une requête. Mot de passe ICOB. Tu vas pas me le faire l'écrire quand même. Non, c'est bon. Ça c'est cool, ça c'est cool. On n'a pas besoin de l'écrire. Rappel du règlement concernant les mots de passe. Protection des mots de passe, ne partagez pas vos mots de passe. Conservez pas vos mots de passe. Oui d'accord, c'est bon. La scène de ce matin vous a chamboulé, vous évitez toute panique inutile, vous demanderez de ne pas contacter de personnes travaillant hors de votre département. Une annonce générale sera bientôt faite dans la station. Pendant ce temps... Madame Elazar et son équipe, mademoiselle sûrement. Elazar, sécurité, alerte maximum, répondre à toutes vos questions. Simon, le résultat des résultats du jour sont tous négatifs. Et vous installez le bon neuromode. Prenez contact avec... Le neuromode... C'est les trucs dans les yeux, c'est ça? Je l'ai lu tout à l'heure, là. Ça parlait. Tu mets le truc devant les yeux et tu t'appuies sur un bouton et je sais pas. Je sais pas ce que ça te fait. La clé Phaisto EFI industrielle à poignée et griffe est une outil standard que possèdent tous les membres du personnel de... Mais attention, je suis un... Ok. En gros, c'est la... C'est la crowbar, quoi. Le pied de biche de Fallout. De Half-Life. Charge un champ maximum de dégâts, ça marche. On peut annuler. Ah, ça c'est bien ça. On peut annuler. Cool. Cool. On y va. Oh. C'est un peu sombre. Arrête, même l'hélicoptère, c'était une simulation. Pas mal. On va aller là. Même l'hélicoptère, c'était une simulation du coup.
Qu'est-ce qui se passe? Faire le niveau destin en moins de 10 minutes. On s'en fout. Training room, non. Alors là, non. Ah! Écran bleu. C'est pas bon, ça. Utilitaire. Sélectionner la scène. Gestion des tests. On va voir un peu. Attends. Oh waouh, qu'est-ce qui se passe? Ok, 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 on n'y va pas alors. C'est peut-être une erreur. Email. Chers tous. Ce matin, chamboulé, éviter le panique. Ok, d'accord, c'est le même truc. Sélection de ça, gestion, réinitialiser. Ok, ready. Test, ok, ça marche, on y va, on avance. Kit de secours. Ok. Sélection rapide. Ok, il y a ça. D'accord. Je sais pas, je suis complètement perdu. Mais ça va, on va se débrouiller quand même. Waouh! Plasmus. Tout le monde les appelle mimiques. Faites attention à ce que vous touchez. Oh, c'est cool. Enfin, ah mais c'est ouvert. Ah merde. Qu'est-ce que c'est? On peut s'infiltrer? On peut se baisser? Ok, zoom. Chaque fois que je le regarde, il se cache. Ok. Je peux le défoncer, j'ai envie de le défoncer. Vas-y, ramène-toi. Vas-y, je te défonce. Je te défonce. Vas-y, je te défonce. T'es quoi? T'es la chaise? T'es quelle chaise? Tiens, tiens! T'es mort? Okay. Non, toi, t'es une vraie chaise. Sympa. Hop là. Toi aussi. C'est un peu sombre. Y'a pas une lampe torche. Cher tout. Ouais, comportement. L'accès demandé, est-ce que toutes les regards passent par lui après la crise de Morgan lors de la réunion? Crise de Morgan? L'action psy est en cours. Suivi des changements de personnalité avant la poursuite des tests lors des réunions. Ouh, c'est pas bon signe ça. Wow. Okay. Je vais passer mon temps à taper tout ce que je vois en fait. Aha. Alex. Simmons, qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Et concernant Morgan, il est en vie, sous sédatif. Occupez-vous de ça, j'arrive tout de suite. Entendu. Ah, c'est ce qu'on a entendu. Exit, skill recorder, stage de control room. Ok, ça marche. Let's go. Let's go. Aïe, 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 aïe. On pourrait descendre. Control room. Décontamination. Ah non. Ah, pas de décontamination. C'est vrai que ouais, y a un petit côté Bioshock, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien le côté un peu oppressant du jeu. Tu sais pas trop si ça c'est des bestioles, etc. C'est pas mal. Bonjour. Une pomme. Oh! T'as bougé, toi? Ah ah!
tumeur. Nécropsie requis. D'accord. J'avais raison de taper tout et n'importe quoi. J'aime bien le jeu pour le moment. Ça, c'est cool, sympa. Alors, statut serveur, ouais. Le jeu qui rend parano, c'est ça, hein. Oh, waouh. Oh, ça tue. Hop là, c'est bon. Là. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Ah! Ha! T'étais quoi? T'étais quel objet, saloperie? Ah! Ok, ça. Bon, c'est quand que je récupère un fusil à pompe, parce que là... Comment on sauvegarde? Est-ce qu'on a un sauvegarde rapide? Ah, yes, ok. Ah bah ça va, on va se débrouiller. Ah mais c'est mon appartement ça. Okay, cool. Bon, on n'a pas besoin d'y retourner alors. Par contre, là... Ok, cool. Ah, j'ai loupé le... Ok, ça c'était con ça. Putain, j'ai eu mal pour le mec, quoi. Test pigeon. Ah, putain, comme il a crié. Ah, j'ai plus de 45 points de vie, putain, c'est super. Ah oui, non. Pas récupérer les choses. Taper les choses, d'abord. Ah ouais, bah ouais, mais non. En plus, ça servait à rien, ce que j'ai fait. Non, on est de retour, là. Je me suis pété la jambe pour rien. Ça tue, ça. Ah! Il y a une bestiole, je suis sûr qu'il y a une bestiole. Je l'ai entendu. Pourquoi je récupérerais du papier froissé? Vous m'expliquez pourquoi? Hein? Un peu bizarre. Chambre de décontamination, c'est parti. Ah, au secours! Ah, dans la bouche. Oh! Personne n'a pu stopper la prolifération des mimiques depuis qu'ils se sont échappés du confinement. Je vais vous aider à rester en vie. Encore un peu. Encore un peu, ok, ça marche. Alors, menu. Une feuille de papier froissée. Ok, ça marche. Recyclage. Ah. 5 points de santé. Ils sont où les kits de soins? Ils sont là. 24, c'est tout? Ah putain. Ah bah, c'est la merde. Mais je crois que je commence mal là parce que. M'avoir pété la jambe comme ça, c'est un peu con. Puce.
Bon, c'est parti. On n'a pas peur. Ça peut être des plantes. Non, ça m'étonnerait. Ah, elles ont dû, se casser par les. Misha, Grete, Evelyne, Marco et Polo. Bonjour. Oh, urgent. Je crois que Bellamy a sorti la donnée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai pas lu encore. Relative aux mimiques et à la manipulation à distance lors du département de recherche, rendez-vous. Cherchez le corps de Bellamy dans le service traumatologie. Ah ben putain, super. Récupérez sur son cadavre la carte d'accès de sa cabine. Ok, ça marche. Computer, filter, remove, manipulation. Je vais mourir. Oh! Votre propre style. Essayez une approche différente. Si un ennemi ou une situation vous semble trop difficile, vous pouvez franchir une porte verrouillée en trouvant sa carte d'accès et empruntant un autre chemin. Plus d'options s'ouvrira à vous au fur et à mesure que vous apprendrez de nouvelles capacités. Oh, ça j'aime bien. Je te vois. Aha! What? Ah, t'es là. Oups. Waouh, ça tue. Super stylé. Quoi? Est-ce que c'est un simulateur de nettoyage? Piratage nécessaire 1. Ah, cool. Mimique. Ah! Pour l'instant, je suis increvable. Oh! Tiens! Ta merde, il m'a touché. Saloperie. Alors... Ok. Test quotidien. Tu as vu des gens de mon équipe? Oui, j'ai remarqué la même chose. Je vais divulguer leurs noms, mais j'ai effectivement constaté une hausse des employés de ton département présentant des signes d'anxiété accrue. Ah! Et si jamais je ramasse un mimique, qu'est-ce qui se passe? Dans un sens, j'ai envie d'essayer, mais je pense que je vais regretter. Je sais pas. C'est quoi la touche pour sauvegarder rapidement? Oups, c'est pas ça. J'ai envie de tester, mais ouais, j'ai peur du résultat. Restore des points de psy. Hein. Ok, cigare usagé, légèrement humide, libère des fréquences de whisky. Ha.
Ok. On y va. Enfin, ça fout un peu les boules quand même, non ?